it, you know, gives great results. So I'm really looking forward to see Snacks. And on the other side of things, I mean, yes, I want to know your VP, but also we always talk about the player that needs to step up from Cloud9, because there's always like a couple of names. If there is going to be one to stand up, it's going to be, and I'm not going to say it, I assume you'll say the same. So I'm actually going to touch on Virtus Pro for a second that we haven't actually mentioned. They actually now have Kuban coaching for them, which is you know, a brand new addition. So Kuban used to play with these guys back in early CSGO. So I'm excited to see what he's actually able to help Virtus Pro do. And moving over to the second part, for Cloud9, it's definitely nothing. He is the player to watch for. If he comes with his A game, if he comes and comes to prove exactly what he's worth, I think he has the individual skill to be able to carry Cloud9 all the way through the finish line. Yeah, I'm on Jordan as well. I think that he's an insane player when he hits his peak. To talk about something about Virtus Pro really close, really fast, to like close that one off as well, it's like Pasha, because he's been like downhill in a period of time, and last year in Katowice he was totally insane, and I'm hoping for him to reach back to his top level. And then, yeah, I think everyone wants us to say Shroud as well, because he has this potential which is insane with his aim and his movement and all that kind of stuff. But everyone just feels that Jordan is the guy to watch out for, because he's more known for stepping up in some of these games. And when I hear Shroud, first thing I want to say is that, is it fair that people attach this kind of, not this, it's not a stigma, but they say that Shroud, amazing aimer, but he needs direction, and Sean provides that. Is that a fair statement, Hiko? I would agree with that. I think I've been pretty vocal on my stream and in interviews. I think Shroud probably has the highest potential out of any American player in the scene. He just needs to work on a little bit more of his positioning, his mid-round decisions. And obviously, Sean does help him out with that. But sometimes he needs to, you know, take the initiative himself, and that's where he struggles sometimes. Yeah, and is there an equivalent on VP? They feel like they're more veterans of the scene. They don't have that necessarily such surprising player. I mean, Bialy's the one that kind of, at the back of my mind, I'm like, he's kind of that aimer when I see Bialy play Halvor. Well, I'll definitely agree with that. Snacks and Bialy being kind of the new generation of Polish superstars, they are different players from Taz, from Neo, and from what Pasha is. So they're definitely kind of the aimer kids of VP, but I don't want to overlook either Taz or Neo in this matchup, because Neo has a tendency to not necessarily blow you away on the scoreboard every single game, but when he's needed, he'll step up, and the same goes for Taz as well. I mean, we need to remember that back in 2013, Taz was probably one of the top five players in the entire world, so we definitely know he's capable. So I'm really excited to see those two play as well. I actually would put more emphasis on Bialy as well. Like, towards the end of last year, he was playing amazing. He was pretty much carrying all of Virtus Pro through what weren't the greatest performances, but he was the one who had the astonishing, you know, top fragging, those crazy like 1v2, 1v3s. So I'm actually expecting good this tournament. Okay, and I mean, Casper, you feeling like that's the name at the back of your head as well? We've had Snacks, people, a lot of people saying that, you know, Snacks, he does these kind of snazzy plays. But the backbone of Virtus Pro, what name springs to mind? You can always rely on Snacks playing well, because he's so clever, as Anders say. He's not relying too much on his aim. Bialy is more like, if he hits his aim and he has it like one of his days, he's just going to destroy everyone. You can always fall back on the like experience of Neo and Taz. And Pasha is kind of like a joker for me as well. And the interesting thing to see about this team is they have so many guys who likes to pick up the aim. Bialy is more like, if he hits his aim and he has it like one of his days, he's just going to destroy everyone. Seems to work out for them. Well, actually, since you're talking about Bialy and mentioned Pasha, I want to just bring up Pasha. Like, experience of Neo and Taz. And Pasha is kind of like a joker for me as well. And the interesting thing to see about this team is I honestly think that he has been one of the more consistent performers for VP, especially when it comes thing to see about this team is they have so many guys who likes to pick up the seems to work out for them. Well, actually, since you're talking about Bialy and mentioned Pasha, I want to just bring up Pasha. I honestly think that he has been one of the more consistent performers for VP, especially when it comes thing to see about this team is they have so many guys who likes to pick up the seems to work out for them. Well, actually, since you're talking about Bialy and mentioned Pasha, I want to just bring up Pasha. I honestly
smoke. Et bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve donc pour les ESL One Katowice 2015 pour, donc si je ne me trompe pas, dernier match de cette soirée pour ces poules, hein, très clairement. Ça va, ce match qui va épouser... Pardon ? Ok, donc ce n'est pas le dernier, autant pour toi. Du coup... ce sera donc le match qui va opposer très clairement Virtus Pro à Cloud9. Donc je vais t'accompagner pour ce match donc de Firstox. Comment tu vas, poulet? Ça va et toi? Ah écoute, ça va super. Ça va être assez intéressant, je trouve, ce match. Le match très clairement des vainqueurs de ce groupe D. On aura fait quasiment tous les groupes aujourd'hui. On finira, je pense qu'il y aura, bah, de toute façon, il y aura encore un match tout à l'heure. Avec surtout donc ce fameux Shazam, hein, qui risque de m'impressionner parce que j'ai pas beaucoup vu jouer l'équipe Cloud9 aujourd'hui, vu que j'ai pas spécialement eu l'occasion de pouvoir la commenter. En tout cas, c'est vrai que j'ai très clairement hâte de voir ces deux équipes. Hein. Je pense que ça promet d'être intéressant, franchement. On a deux équipes qui sont vraiment j'ai envie de dire au top, hein. En tout cas, ouais, je pense que ça va être assez serré quand même. Et du coup, apparemment, on va partir donc sur Inferno pour ce BO1, tout simplement. Entre ces deux équipes, du coup, VP qui va commencer donc Cityside. Cloud9 qui va devoir démontrer son jeu assez offensif cette fois-ci, du coup, côté terreau. J'espère que ça va renvoyer. Ça va envoyer tout ce qu'il faut, plus ou moins, quoi qu'il en soit. Du coup, on va attendre. On va attendre tout simplement le vote d'Eredi pour close plus ou moins ce warm-up. Et on va pouvoir commencer donc d'ici quelques petites minutes. Donc surtout, n'hésitez pas à poster vos pronos, vos commentaires, vos questions. Par rapport justement à ce match, je pense que c'est. C'est plutôt assez intéressant d'avoir vos avis. Et vous, si jamais vous avez des questions, bah justement, on sera là pour pouvoir y répondre sans aucun problème. Quoi, apparemment, côté Cloud9, tout le monde est là. Côté VP, c'est exactement pareil. Voilà, le match va bientôt commencer, on voit le temps qui s'écoule. Allez, on va pouvoir commencer donc ce match, comme qui disait, hein, les VP qui vont commencer Cityside. On est parti directement avec Snax et Neo qui vont directement se diriger du côté de ce BPB. On a Bialy, Taz et Pacha à la défense du côté de ce BPA. Et attention, ça poche déjà au niveau de cette balle avec Nothing Shroud et Shazam tout simplement déjà avancé. On va passer déjà à travers cette première smoke. Attention, qui ne servira strictement à rien. Il y a une information, attention, il va faire tomber Pacha au niveau de cette pente. Oh. On est déjà en situation de 5v3, avantage numérique au Cloud9.
Pour l'instant, c'est plutôt bien vu. Hein. On a déjà les intrigues de prix côté Cloud9. Et attention, on se roule énorme à chaise sur ta. Ça, c'est tellement bien vu. Shazam qui enchaîne également sur Snap. Et finalement, le dernier kill, Shroud qui aura fait un très très beau kill sur Taz. Du coup, le premier round qui va passer en faveur donc des Américains. On va pouvoir diriger directement sur un second round armé. On va prendre une AK. On va sortir un P90, un MP45, voire même deux AK. On va rester au Tech 9 hein, classique côté Shazam pour pouvoir tout simplement sortir la WAP plus tard. Et ce sera pas un force line hein, côté VP, on aura juste pris un Kevlar tranquillement sur base. Quelques smokes, quelques flashs, histoire de pouvoir un petit peu contrôler au niveau des PP. Ouais, on peut voir hein, les VP qui avaient pas d'argent, hein, ils ont pas pu... faire d'excellents force buy, j'ai envie de dire. Côté Cloud9, on était plutôt pas mal dans le premier round, hein, on a perdu aucune, on n'est pas mort simplement. Et donc pour l'instant ça joue plutôt slow. Hein, Alors là joue vraiment très très reculé hein, côté Cloud9, on essaie de vraiment pas se donner, faut faire les bonnes entry kills au bon moment. Pour justement ne pas se faire surprendre par l'adversaire. En tout cas, ça a l'air de plutôt bien marcher pour le moment. On a pris aucun kill hein. Pour l'instant, tout est bien. Neo qui est dans la smoke, Snax également du côté de ce BPB. Il reste 30 secondes à jouer. La bombe qui est pour l'instant du côté de ce petit mid. On va essayer de faire bouger un petit peu la défense et c'est ce qui est fait. Attention, Pacha qui va être vraiment très servi du côté de cette longue. On va lui courir dessus littéralement. Attention, ouais. Taz qui loupe son ennemi. Bialy qui prend un premier kill. Shroud prend un kill sur Pacha. Nothing sur Bialy. Et Taz sur Shazam. Ça allait super vite dans une situation de 2v2 maintenant. Les Virtus Pro qui sont revenus à deux partout, tout simplement. L'instant Taz hein, qui est au niveau donc de ce pit, il a 11 HP, c'est pas terrible. Neo qui a 65 HP, va falloir qu'il laisse son collègue. Attention, il a vite qui prend le kill. Ça c'est bien vu, il a très très bonne décale du côté de ce cimetière. Shroud qui va prendre le bon kill du coup, comme tu le disais, hein, sur Taz. Et attention Neo qui finit ça, il a pas le temps malheureusement. Voir back tout simplement, c'est vraiment dommage. Et donc, joli round DVP. Bel écho assez rentable. C'est vrai que c'était une chouette écho vraiment de leur part. Du coup, c'était quand même un très très beau round. Du coup, côté polonais, on a réussi à reprendre donc ce BP. Malheureusement, on n'a pas pu diffuser cette bombe. Du coup, le deuxième round qui passera finalement quand même pour les Américains. On aura pu save une AK sur Neo qui va directement prendre un Kevlar casque. Pouvoir faire tomber un maximum. Malheureusement, on est à 3 stackés au niveau de cette banane. Neo qui va faire du coup le déplacement. On va rester à 3 pour l'instant. C'est de voir comment que ça bouge au niveau de ses postes. Puis Ali et Tass, ils sont très très bien passés au niveau de cette vodka. On a Sgarès également qui va s'avancer dans cette longue, dans la smoke. Neo qui préchote un petit peu. Il est pas passé loin de la tête de Sgarès en tout cas. Hein. Allez, une minute à jouer pour l'instant, toujours dans cette troisième manche. Stemfist et Shazam pour l'instant avancés au niveau de cette balade. On a Nosin qui vient appuyer également juste derrière. D'ailleurs, tous les clans vont venir appuyer. On veut voir, on voit que côté Virtus Pro, on veut essayer de récupérer une information, mais attention hein, parce que là, tous les clans sont au niveau de cette banane. Il n'y a pas encore eu de rotation de fait. Attention, Snax qui back. Voilà, il revient hein, tout simplement, il a vu le stuff. Il veut quand même attendre pour essayer de prendre l'information. Il y a quand même un joueur des Virtus Pro, qui a back. Et là, on voit hein, que ça a déclenché l'agression. Attention, Shazam qui TK. Samphis Neo qui prend un bon kill sur Shazam. Neo double kill. Nothing et Shroud ont fait également un kill. On est déjà en situation de 2v3 en faveur des Virtus Pro. Et on le rappelle, 2v3 hein, qui va vraiment pas être évident. Hein. En écho, ils ont fait une écho géniale et ils remportent ce round. Enfin, c'était un peu un force buy, un peu dégueu.
Mais ils ont réussi à le mettre les VP et premier round des VP sur ce site c'est pas. Allez, directement reparti, hein. On va pas perdre de temps, hein. Côté VP, on vient d'enfiler donc le premier round. On va vraiment vouloir en mettre un maximum cette fois-ci. On va partir ce stuff littéralement de la tête aux pieds. On a on est full stuff, on a full Kevlar casque, on a de la M4 de sortie, de la K de récupérer. C'est juste parfait pour pouvoir tenir les BP. Et du coup en face Tech Cloud 9, on a 4 Tech 9, une AK. Ça va pas être foufou et du coup c'est déjà parti au niveau de cette balade. On est court, on court et ça va vraiment pas s'arrêter à mon avis. Pour l'instant, Sgarès. Non, ça rush dans la smoke. Ils sont passés déjà. Comment ça rentre sur le BP? Attention, Néo qui prend un bon kill. C'est directement Revenge, Snacks, pardon, qui prend un kill sur Shroud. C'est directement Revenge également. 3v3 à suivre. Avantage quand même aux Virtus Pro qui ont des armes. Mais attention, hein, les Cloud9 ont récupéré une M4 et un AK, c'est encore jouable. Allez, pour l'instant, Pacha qui va faire le café hein, pour prendre la bonne décale du coup sur Shazam. Il reste encore Sgarès au niveau de ce coin pute. Samphis qui est également situé au niveau de cette banane. Il n'a pas été vu derrière la smoke. Pacha qui va prendre le bon kill sur Sgarès. Et Bialy qui enchaîne finalement sur Samphis. C'est bien joué. La bombe finalement qui aura eu le temps d'être diffuse à quelques secondes près. Et les Virtus Pro qui reviennent dans ce match en égalisant 2 à 2. Hein. Ouais, ils reviennent. En même temps, ils sont en easy side, il faut qu'ils mettent des rounds. Ouais, du coup, un nouveau pareil, le même contrôle, un côté VP, on aime vraiment essayer de limiter la case du coup côté balade avec Snacks déjà qui va prendre un excellent trick kill du coup sur Sampis. Ça c'est plutôt bien joué, on va call la rotette immédiatement pour pouvoir rééquilibrer au niveau des BP. C'est Pacha qui va s'en occuper, il va faire un petit peu la girouette hein, du côté de cette équipe. Il va aller se replacer donc au niveau de cette arche. Il va être supporté également par Taz pour prendre une ligne assez croisée qu'on puisse qu'on faire un maximum de kills. Mais pendant ce temps-là, du coup, on est parti au niveau de cette vodka, Sgarès et Nofin qui vont arriver. Attention à Shroud et à Shazam qui vont décaler également au niveau de cet appartement. Ça vient d'être call. Le backup doit se faire absolument à côté VP avec Bialy qui va prendre la bonne tête sur Shroud. C'est instantanément revenge par Sgarès. Shazam qui va également prendre la bonne tête de Bialy. Pour l'instant, c'est du 3v3. C'est plutôt assez équilibré. Pour faire cette reprise de VP, la bombe qui est toujours pas plantée par ailleurs. Hein. Ouais, également, mais il y a Shazam qui a 10 HP. Du côté de VP, on a Snacks, 21 HP, c'est low. Mais là, c'est encore jouable pour les deux équipes. Côté Cloud9, il va falloir être solide. Et côté VP, il va falloir récupérer ce VP. Mais attention, Biceps et Biceps, Pacha, pardon, et Snacks qui ont pris un bon kill. Neo également maintenant. Et les Virtus Pro qui repassent devant sur cette CT. Et du coup hein, sans trop de difficultés, on est passé vraiment avec la moins de casse possible. Du coup un BP assez un BP récupéré assez vite hein, j'ai envie de dire. Du coup la bombe qui aura été plantée, ça c'est plutôt cool pour les terreaux. On va pouvoir racheter derrière pendant ce temps là. Par contre ça va être un petit peu my bad côté côté Cloud9 de toute façon aussi parce que on a quand même perdu un petit peu l'emprise tout simplement qu'il y avait sur ce BP. Du coup on s'est call un petit peu du côté à ce petit spawn et on va repartir de nouveau au niveau de ce M2 avec Sgarès de nouveau qui va prendre les appartements. Attention Sampis et Anofing qui sont déjà dans ce T. Bialy qui va avoir énormément de talent de travail, Pacha pour prendre la ligne croisée également, Pacha qui va faire le move très très intelligent, venir en sneaky biki dans cette smoke. On va pré-shot un petit peu pour essayer de toucher, malheureusement il n'y arrivera pas. Ah, du coup la bombe pour l'instant qui est toujours située dans le M2. Ça va pouvoir rediriger à mon avis. Hein. Allez, Nofig et Sexpeak et Samphis pour l'instant qui sont redirigés au niveau de cette balade. On a toujours Shazam et Sgarès également qui sont dans ce T. Pacha qui a la très très bonne ligne qui va peut-être pouvoir faire un double kill si tout se passe bien.
Ouais, on voit aussi que les Cloud9 sont économiquement parlant pas très bien, on n'a pas acheté beaucoup de stuff, ça va être compliqué pour prendre la prise d'un BP. Allez, on est 3 hein, déjà sur ce dégât. Pacha, premier kill, Pacha, deuxième kill, peut-être le troisième, le triple kill de la part de Pacha, triple kill. Du coup, là, la bombe qui est à terre, et là, on est vraiment my bad, le quadri kill de la part de Pacha, peut-être le ace. Est-ce qu'il va faire le ace? Non, il tombera sur le code nothing. En tout cas, très beau round de Pacha, j'ai envie de dire. Qui a complètement. Qui est complètement on fire. Et en plus, Neo qui termine ça sur nothing, qui pourra passer son nom tout simplement. 4 à 2, VP. Qui repasse devant. Ouais, du coup hein, cette fois-ci la config qui vient de s'annuler, on va de nouveau la jouer à deux, cette fois-ci assez classique, un côté Virtus Pro, Snax et Neo à la réception du côté de cette banane, Pacha qui va à nouveau appuyer son aide directement du côté A. Et il va en avoir besoin hein, tout simplement, on voit déjà Shazam qui va s'avancer dans Stage Road qui est également situé au niveau de ce bowler. Ça risque de faire pas mal de dégâts. Sgarès qui lui tranquillement dans son appartement aussi. On va contrôler assez, vraiment, on va y aller tranquille côté Cloud9. Par contre, Neo qui a repris Bagdad, déjà il se retrouve à 18 HP. Du côté de la banane, ça risque de faire pas mal de dégâts. Hein. Si on commence à push au niveau de ce BP, on risque d'être vraiment dans le mal. Il va falloir que Snax, il nous fasse une Snax tout simplement. D'ailleurs, c'est ce qu'il est en train de faire. Attention, voilà. Snax premier kill, Snax double kill. Peut-être triple kill, non, il tombera sous les coups de Semphis. Pacha qui prend un kill sur Shroud, on est déjà en situation de 4v2. Et le voilà, justement, là ce que j'appelais la snack, c'est je rentre dans la smoke et je prends 3 kills. Là, il n'en prendra que 2, malheureusement. Ouh, Taz, voilà, Taz pour prendre le. Il y avait une smoke là, Taz. Le double Taz pour kill. Prendre le double kill de la part de Taz. Qui va avoir même, il me semble, le droit de pouvoir diffuser cette bombe. Et ça fera 5 à 2 pour les VP sans trop de problèmes pour l'instant. Hein. Allez, reparti directement dans cette 8ème manche entre ces deux équipes. On est toujours full rifle. On a vraiment pas sorti d'AWAP. Je pense pas qu'on va le sortir pour l'instant. Je pense qu'on n'est pas assez énervé côté Cloud9 pour le sortir. Et côté Virtus Pro, je pense pas qu'on en voit l'utilité pour le moment. Tout se passe plutôt bien. Bah, les Cloud9 n'ont pas les sous, surtout. Hein. C'est surtout ça. Aussi, oui. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, donc on est toujours. Dans une prise de BP. Attention, Viali qui prend la grosse tête. Viali double kill. Il se fait tellement revenge par Shroud. Attention, Taz. Taz qui prend un kill. Pacha également. Shroud qui tue Snax. Et Pacha qui finit ça. 6ème round pour les VP. Allez, on est toujours là. Hein, toujours présent dans ce match qui vraiment s'annonce très prometteur entre ces deux équipes. On a Cloud9 qui est vraiment en difficulté. Je dirais majeur pour l'instant, on passe sur les BP malheureusement, voilà, ou alors on plante la bombe et on n'arrive pas à le tenir, ou alors on n'arrive pas du tout à passer du coup test de BP et finalement ben, voilà, on n'arrive pas à se mettre de la monnaie de côté parce que simplement la bombe qui ne sera pas posée. Et pendant ce temps que je parle, et ben, du coup ça a déjà push au niveau de cette banane, les Snax qui nous aura fait un beau petit headshot sur Sgarès. D'ailleurs un double headshot, autant pour moi. Le double kill de la part de Snax qui finalement va tomber, c'est Shazam qui va le punir. On est en situation donc de 4v3, on est en écho côté Cloud9. On a essayé de push avec du take-up, normalement ça n'a rien donné. Et pendant ce temps-là, ouais, Shazam qui est encore 6 HP. On voit Snax hein, qui s'est avancé et tout, il avait pris son petit double kill, il aurait peut-être dû back, il a été un peu trop curieux, il s'est fait sanctionner. Attention, hein, Pacha qui a pris la formation, il l'a donné tout simplement Neo qui finit ça. On est déjà en situation de 4v2, les Cloud9 qui sont pas très bien. Incendiary out.
Ouais, Schroud qui prend la grosse tête. Schroud qui prend encore la grosse tête. Double grosse tête d'Eagle qui rétablit les compteurs. Simplement 2v2 et en plus, il a récupéré une arme. Attention au VP de pas se prendre cet écho. Bah du coup on va arriver hein, du côté de ce city spawn. Biali et Taz ont pré-shot un petit peu à travers les smokes. Attention à Nocine qui a une très très bonne ligne. Hein. Nocine qui s'est un petit peu troué malheureusement. Il va falloir qu'il se replace. On a eu l'info d'un CT malheureusement Taz qui est là présent. 1v2, Schroud. Schroud qui va tomber, Taz double kill. 7ème round pour les VP. Un Schroud qui a fait quand même du gros travail avec son Desert Eagle. Du coup, bonne opération pour les Clown Nine hein, qui réussissent quand même à poser la bombe et à faire tomber 3 armes. Et du coup, on se retrouve déjà dans ce 10ème manche, 7 à 2, un écart. Ah, c'est fou pour l'instant entre ces deux équipes, les Clownon qui n'y arrivent vraiment pas. Pour l'instant, on a beaucoup de difficultés à pouvoir passer quelque part, à pouvoir tenir tout simplement ce BP. Les reprises de TT, les BP qui sont juste parfaites, presque j'ai envie de dire, un côté BP, à quoi qu'il en soit. Du coup, Neo qui s'est déjà avancé au niveau 2, cette banane, il sera tout seul d'ailleurs. Ça, on la connaît un petit peu, c'est assez... C'est assez classique également comme type de config. On en a un qui s'avance banane pour pouvoir prendre une info. Tout le reste, on le met en A tout simplement. Et ils ont raison parce que là, on a vraiment pas mal de monde hein, du côté de ce petit mid qui vont très certainement pouvoir décaler dans le T. Hein. On a les smokes qui vont partir pour l'arche. Voilà, c'est fait. Shazam qui vient de lancer sa smoke. Et c'est même pas pour l'arche, je dis des bêtises, c'était pour la longue. Du coup, Snax qui est un petit peu pré-shot. Essayez de prendre un tricky, attention. Snax qui l'a vu. Hein. Snax qui a clairement vu Scarès. Voilà, Snax est bien vu ça pour prendre le bon kill. Taz qui enchaîne également sur Schroud. Shazam tout seul, Shazam qui va tomber sous les balles de Biali, Samphis pour Rivage sur Taz, ça c'est bien vu, Samphis en clutch, Samphis qui est tout seul, il en a un V2, il va essayer de chercher son ennemi, il va pas réussir à le tuer, c'est dommage, Biali qui était tellement bien placé au niveau de ce pit, qui finalement va réussir avant la première décale, pouvoir faire tomber son ennemi et donc du coup inscrire tout simplement le 8ème round pour les VP qui sont vraiment très très bien dans cette début de game. Allez, sans perdre de temps hein, directement. On va pouvoir rediriger 8 à 2. 8 à 2 et pour l'instant de nouveau 2 au niveau de cette balane Virtus Pro. Snax qui va de nouveau... il va commencer à back à mon avis. Le Steph il va pas tarder à partir. Je pense même en brain, même pas. On est passé dans le T. Attention Pacha qui est complètement blanc. Attention! Et attention, oh, prends le besoin de tri-kill, Samphis! C'est direct Rivet de jeu. Ah non, Samphis qui tue son pote! Il a TK, ouais. Il a TK. Il a clairement vu. TK. Alors, en situation de 4v3 en faveur des VP. Un bon kill sur Schroud, Snack sur Samphis. 4v1, et il reste plus que Shazam, tout simplement, qui va. Je pense que ça va se coller une pause. Je pense que ça va coller une pause d'ici pas très très longtemps côté américain. Que là ça va pas. Il y a 20 secondes à jouer à peu près, voilà du coup Pacha qui va finaliser Impérial pour prendre la bonne tête sur Shazam en travers s'il vous plaît monsieur biceps est là et du coup t'as fait 9-2 hein, dans tout ça. Ça fait 9-2 et ça commence à faire beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup. On a vu déjà des comebacks de ouf que les Clownmen nous ont fait déjà tout à l'heure. Là, j'espère qu'ils vont de nouveau y arriver, de pouvoir le refaire hein, tout simplement. Ouais, exactement. Et quoi qu'il en soit, du coup,
On a pour l'instant des nouveaux avancés tranquillement. Snax qui va s'avancer, qui pour prendre cette bonne ligne au niveau de cette banane. Néo est bien accompagné pour l'instant. Bacha toujours situé au niveau de cette botte Q. On va smoke le mid hein, tranquillement. On va jouer vraiment en contrôle parce qu'il faut le but c'est quand même de prendre le plus de terrain. Là pour l'instant on se fait plus enfermer qu'autre chose hein, côté Cloud9. Près 9-2, on sait c'est le hard side, mais quand même attention à pas se prendre plus de rounds, ça peut être dangereux pour eux. Ouais, pour l'instant on peut le voir hein, de toute façon sur la minimap de nouveau on est en 4-1. Assez classique Snax pour prendre large, Pacha au revenge également au niveau de cette longue. On a Taz pour côté C1 pour prendre la vodka en revenge avec Bialy tout simplement. C'est vraiment des poses très très stratégiques et c'est vraiment c'est bien vu hein. C'est vraiment très très bien vu de leur part. On passe vodka ou qu'on passe vodka, on aura toujours un double feu qui va arriver. Et du coup ça va passer avec Snax. Ce soir si Snax il prend un bon kill, Bialy également, Pacha aussi, Nothing Kitty Revenge. Tout simplement, Bialy, 10ème kill, Bialy, 3ème kill qui finit ça assez rapidement, 10ème round pour les VP. Ça joue très vite hein. Ça joue très vite, ouais, mais on a énormément de mal à déclencher plus vite que ça car les revenge sont là, sont présents chez les VP. C'est juste impossible, on n'arrive pas à prendre les kills qu'il faut côté Cloud9 et forcément ça les met de plus en plus en difficulté à chaque fois. Donc là la bombe pour l'instant qui a avancé tout seul au niveau. Ah, ça c'est bien vu Nothing, ça c'est tellement bien vu. On a Neo qui vient de tomber pour l'instant au niveau de cette banane. C'est avantage numérique au Cloud9 hein. Pacha qui a fait le déplacement. Pacha qui a fait le déplacement, qui va aller se repositionner donc au niveau de cette bobine. Pour pouvoir toujours apporter le même double feu. Attention à Sgarès. Regarde Sgarès. Sgarès qui est tellement bien placé au niveau de ce balcon. Qui a pris l'info sur Bialy, il me semble, quand il est sorti au niveau de cette votre cul. Attention mais cette... Oh, c'est bien vu. Et c'est ce qu'il fallait faire, il fallait les travailler au niveau de ce BPA. Taz, pour l'instant, qui a pris un premier bon coup sur Shroud. On va pouvoir planter cette bombe. Samfis, il y avait une smoke là, Samfis. Qui va prendre le bon kill sur Taz, du coup. Cette fois-ci, retournement de situation complet, on est en 4v2. Et cette fois-ci, c'est reprise de BP côté Virtus Pro. Là, ça va pas être du gâteau. Ouais, ils avaient fait l'untrinkill, les Cloud9, ils en ont profité. Et là, il y a vraiment eu un beau move de leur part en restant dans cet appartement. Ça a pu donner l'open kill simplement pour finalement rebacker en A et poser la bombe. Vraiment bien joué pour les Cloud9 en tout cas. Ça leur offrira le troisième round. Ouais, on était en 4v2, on se retrouve du coup pour la fin de ce round en 2v1. Il y aura quand même deux armes qui seront tombées. Ça fait. Ça a sorti l'auto-sniper hein. Côté Pacha. Ouais, du coup, on va sortir le Totonoob à côté Pacha, on n'est pas content. On a mis le round qu'il fallait pas, le round de trop hein, tout simplement apparemment. Quoi s'avancer au niveau de cette balade, pouvoir prendre de nouveau peut-être un entry kill, on est complètement blanc au niveau de cette balade. Allez, nos signes pour prendre la bonne tête sur Snax, c'est bien joué, c'est rétablisé. Directement, hein, on est en 4v4 pour l'instant. Attention, Pacha qui va prendre le bon kill avec son auto-sniper. Galil également sur Shroud et on voit que ça se redirige. Non, ça reste dans cette banane côté Cloud9. Attention, ils ont fait un bon kill sur Neo. On est déjà en 2v3, deux joueurs très low côté Cloud9, ça va être compliqué. Bon, on a un double kill qui veut partir un côté Taz sans aucun problème. 2 HP Nothing. Ouais, du coup, ça va pas passer. Même
Même un Brady, ça l'aurait tué. Du coup, 11-3, on va directement diriger sur la dernière manche déjà de ce premier side entre ces deux équipes. Cloud9 qui aura fait un side terreau vraiment plutôt dégueulasse. On n'était vraiment pas dedans. Je pense qu'ils vont demander 2-3 minutes avant que ça recommence tout de suite là pour pouvoir rediscuter un petit peu de ce, comment que ça va se passer en CT. En tout cas, s'ils arrivent à mettre le quatrième round, c'est vrai que ça aura pas été foufou hein, pour un side terreau. Ça aura pas été foufou, mais bon, ça aura... Là, il faut mettre le 11-4 pour le minimum syndical, quoi. Non, ça va être très compliqué en CST. Et là, apparemment, c'est déjà mal parti. Hein. C'est clairement déjà mal parti. On a déjà deux morts hein, côté Cloud9. On a Bialy pour avoir pris un bon kill. Et Pacha également sur Shazam, mais sur Sgarès. Allez, du coup, l'équipe qui part très très vite et Taz pour finaliser tranquillement une bonne tête sur Semphis. Ça fera 12-3. Le side CT côté Cloud9 va devoir être littéralement parfait. Ouais, très solide, non ? 12-3, c'est... Là, déjà, ils peuvent pas se permettre de perdre le GR, sinon c'est mort, quoi. Ça va être tendu, ça va vraiment être très très tendu entre ces deux équipes. Allez, du coup, on va aller, ils vont aller discuter un petit peu de leur premier side, faire un petit briefing en deux spies. Je pense que ça devrait restart d'ici même pas quelques secondes là. On peut faire un tour des scores. On a Pacha à 19-8, Bialy 14-7, Taz 13-8, Snax 12-9, Neo 8-8, et du côté des Cloud9, s'il te plaît. Côté Cloud9, on a clairement Nothing pour l'instant en top scoreboard, et encore top scoreboard, voilà quoi. 9-13, Shroud juste derrière à 11-14, Sgarès à 7-14, Semphis 8-13 et Shazam à 3-14. Mais c'est vrai que Shazam, je pensais le voir quand même un petit peu à la WAP. On m'a dit qu'il était plutôt assez bon. Et je suis un petit peu my bad. Je l'ai pas vraiment vu. Je l'ai pas vu du tout, du coup, à la WAP. Parce qu'ils avaient vraiment pas les sous à chaque fois. Ils étaient plus concentrés à vouloir mettre des runes au rifle qu'autre chose. Quoi qu'il en soit, on va devoir. On va devoir attendre le City Side, peut-être. Hein. Peut-être qu'il le sortira en City Side, on va voir. En tout cas, là, Cloud9, comme je disais, il faut pas perdre le gain round. Hein, s'ils veulent avoir une chance de gagner. Allez, reparti directement donc dans dans ce second side pour ce groupe D entre Virtus Pro et Cloud9. Le match pour l'instant assez pas trop très équivalent, j'ai envie de dire. Du coup, à côté VP pour l'instant, on va push donc au niveau de ce mid. On va essayer de prendre une info. Ouais, Shazam qui t'a pris l'info. Hein. Malheureusement, le Brain côté qui passera pas à côté VP. Neo qui va quand même prendre un bon kill sur Sgarès. Ce sera revenge instantanément par Semphis. La bombe qui est en train de rediriger au niveau donc de ce balcon était également repéré. Attention, oh, Shazam! Shazam tellement bien placé pour prendre le back joué, au niveau de cette chaudière. Il fera tomber Snax hein, quand même. Pendant ce temps-là, il ne restera plus que Taz en 1v2. Nothing et Shroud. Ouf. Ça pique, hein. Ça pique. Du coup, Gun Round remporté par les Cloud9, il leur fallait de toute façon. Ah oui, non, très clairement, celui-là, il le fallait. C'était ça où on pouvait dire quasiment au revoir à la game. En tout cas, bonne opération de la part des Cloud9 pour bien mettre le GR. On force by également derrière côté VP. Ça risque de faire pas mal de dégâts. En espérant que la défense va rester aussi solide qu'elle a été pour le GR. Mmh.
Yes, agreed. Allez, on est pour l'instant en Apache à Neo qui sont situés dans cette banane. Attention à Asgares qui est très très avancé également au niveau de cette smoke. Asgares qui est prêt, hein. Asgares qui est vraiment prêt à pouvoir déclencher au niveau de cette banane. Il est vraiment très très chaud, il est assisté de Sempis en plus. Oui bon, ah, ils vont bah, reculer. Et pendant ce temps-là, Sempis qui a pris masse, les gars, sur Pacha, ça s'est bien vu, c'est l'open kill de fait, hein, côté banane, et on va directement diriger, on va pas traîner, côté VP, attention, Asgares qui est tellement bien placé au niveau de cette smoke, qui peut prendre un premier bon kill, un deuxième, peut-être un troisième, non. Du coup, c'est Shroud qui va revenge, Bialy qui va prendre le bon kill sur Asgares, Shroud qui n'est pas encore tombé par contre, hein. Il est situé au niveau de cette bobine, il va prendre un premier bon kill, ce sera Shazam sur Bialy. Ouais, mais c'est une écho complètement rentable, hein. Ils ont déjà fait tomber deux armes, ils peuvent encore gagner et ils ont posé la bombe. Attention, est-ce qu'il va pouvoir le faire, Neo? Non, il tombe. Et la bonne flash, hein. La bonne flash de la part de Neo, malheureusement, ils étaient tout blancs, il a pris... Ouais, il a pris une balle perdue, hein, tant pis, c'est dommage, en tout cas la bombe qui aura été plantée et du coup une très très bonne écho comme tu l'as dit... De la part des VP, on a fait tomber trois armes quand même. C'est pas rien. Et pour le coup, bah, on va pouvoir rediriger directement sur un round d'armée hein, derrière sur côté VP. C'est surtout là que les clones ne doivent pas se planter, sinon c'est fini. S'ils arrivent vraiment à mettre ce round, le round d'après, donc l'écho et encore le round d'après, là ils ont une chance de gagner, mais ça va être compliqué. Hein. Honnêtement, 12-5, ils ont quand même un gros avantage, les VP. Attention tout de même aux VP, hein, parce que là c'est encore totalement jouable hein, côté Cloud9. Par contre, là, HE qui a fait tellement mal à Neo, hein, il se retrouve à 40 HP, il est un petit peu triste. Bialy, pareil, il a pris pas mal de hits. Pendant ce temps-là, du coup, Pacha qui va aller prendre sa banane tout seul, tranquillement. Il va se diriger, essayer de prendre une info, tranquillement. Il va également prendre une HE. Sempis qui est déjà en train de... Non. Il était en train de back au niveau de ce city. Finalement, il va garder la ligne très très reculée. Allez, Pacha. Hein. Pacha toujours au niveau de cette banane. Il va être appuyé par Bialy. Et pendant ce temps-là, le brain qui va peut-être fonctionner, Snax qui est rentré dans ce T, on va reculer de nouveau avec Neo. On va essayer de jouer le B apparemment de nouveau. Hein. Ouais, mais à mon avis, Snax il va y aller pour essayer vraiment de faker cette agression A tout simplement. Hein. Voilà, on voit qu'il se dirige au niveau de cette vodka, prêt pour back en vodka pour essayer de prendre par CT. Et c'est tellement bien joué de sa part, il force déjà, en plus il prend un kill, il force tout simplement une rotation des Cloud9. Et du coup, en A, Pacha qui est en train de planter, malheureusement il s'est fait voir, et Snax qui se retrouve sans rien tout simplement, il aurait pu essayer de récupérer une arme, il a pas eu le temps. En tout cas, 6ème round des Cloud9 pour l'instant, plutôt pas mal. Ouais, solide, hein. Vraiment solide côté Cloud9, pour l'instant on remonte peu à peu, on est déjà tranquillement sur un 3-0. Voire même à 4-0 quand on est clairement en écho hein, côté VP. Ouais, en plus on n'a pas de stuff hein. On a 3 smokes, pardon, 2 flash, 2 Kevlar, ça va être compliqué. Ça joue plutôt slow encore une fois côté VP. Ils ont raison, ils ont le temps. Ne pas se précipiter. Par contre, tu vois, on n'a aucune information hein, côté Cloud9. On n'essaie pas de prendre une information au niveau du middle. On n'essaie pas de prendre une information au niveau de cette banane. Et du coup, ça... Les VP en profitent. Hein. On voit déjà Pacha et Neo au niveau de cette banane avancée. Ils sont même au niveau de ce BPB. Hein. On peut le dire. Et on voit la bombe qui est en train de s'y rediriger, simplement.
Putain, le fils est tellement bien positionné pour l'instant, il va essayer de... Le mec, une smoke, une flash de contact, vraiment bien vu, attention, double kill. Bien vu. Mais du coup, la bombe qui doit être absolument posée, pour l'instant, on est passé au niveau... de société, il va falloir la planter cette bombe. Il reste plus que Snax qui va se faire courir dessus. Snax qui va tomber. Et finalement, ça va pas passer. C'est Nosing qui aura le dernier mot. Ça fera 12 à 7. Les Cloud9 qui ne lâchent rien pour l'instant dans ce site défensif. Allez, 12 à 7 pour l'instant, côté VP, on n'y arrive plus du tout. Malgré les nombreuses tentatives, pour l'instant, ça ne passera pas. Attention, on a joué à 3 la banane. Ouh, la mollo qui va faire tellement mal sur Pacha, c'est dommage. Du coup, qui va tomber. Attention, Shazam, qui avait un peu un timing... à discuter, j'ai envie de dire, s'il serait resté une seconde de plus, il aurait pu sanctionner Taz. Attention tout de même. On voit qu'on a toujours 3 joueurs au niveau de CBPA, 3 joueurs, 2 joueurs pardon, au niveau de CBPB. Mais Néo pour l'instant qui va rester tout seul, hein, donc au niveau de cette banane. C'est CBPA. Attention, Shazak qui prend un premier kill avec son sniper, avec son arrow tout simplement. Assez solide, Shazam qui refait un... Non, il refait pas un kill, pardon. Shoot qui refait un kill sur Snax. 2v4 maintenant à suivre. Taz qui a pris un bon kill, c'est directement revenge par Shazam. Il reste plus que Neo, 3 HP. Est-ce qu'il va pouvoir le faire? Je ne pense pas, probablement le 12-8. Et les Cloudman qui sont en train de remonter petit à petit, qui font pas d'erreur. Attention, Neo qui prend tout de même une grosse tête sur Shazam. Donc il va peut-être pouvoir poser la bombe. Il a réussi à poser la bombe avec ses 3 HP. Attention, Neo qui prend un deuxième kill qui va tomber sous les coups de Shroud. Et attention, hein, il a quand même posé la bombe, il a fait tomber 2 armes. Plutôt bonne opération. Et ça, c'était la bonne opération. De nouveau, hein. C'est ce qu'il fallait faire de nouveau, hein, côté VP, au minimum planter la bombe. Même si on n'arrive pas à finaliser, mais au moins pouvoir se mettre de l'argent de côté. Et c'est ce qu'il a fait. Du coup, ben, on va pouvoir racheter hein, tranquillement côté VP. A savoir qu'on est déjà sur un 5-0 hein, côté Cloud9. Pour l'instant, en config assez intéressante, on est parti tous hein, du côté de ce M2 et on n'est pas en écho cette fois, on est tous armés. Attention, on voit hein, que Sengar il essaie de prendre une information au niveau de cette banane avancée. Ils se sont vraiment avancés les Cloud9 et du coup ça a fait back Semphis et Shazam. C'est vraiment bien joué de leur part. Et pour l'instant, ça joue très très reculé hein, côté Cloud9. Et on peut les voir, hein, toutes les smokes qui sont tellement bien placées. On en a Pit, on en a Arch. On est juste tellement bien positionné là pour pouvoir prendre cette Arch. Attention, hein, ça s'avance au niveau de cette vodka. Semphis qui va tomber sur les coups de Bialy. Nosing qui prend un bon kill sur Snax. Shazam, on est déjà en situation dommage. De 1v4 et c'est fini. 12-9, Cloud9 qui sont en train de remonter petit à petit. On est vraiment à fond là, on est vraiment à fond côté Cloud9. On y croit, on a le moral très très dur hein, côté américain, on le sait. On l'avait déjà vu tout à l'heure sur Nuck. Il se faisait mener de 13 à 2 si je me trompe pas. Ils sont remontés quand même 16-14. Donc ouais. Et c'est pour dire à quel point c'est dur. Quoi qu'il en soit, Sgarret, Ricky déjà sur Bialy, Nosing, double kill.
Le quadri kill de la part de Nothing sur un excellent spray. C'est Pacha et Joli, tombé en même temps comme des dominos. Du coup, 12 à 10. À deux rounds d'écart, va falloir quand même ça se réveiller hein, quand même un jour côté VP. Et attention, on a Pacha qui sort la WAP. Là, je pense qu'il va y avoir des duels. Va y avoir des duels en mid. Ah bah voilà, tu voulais voir Shazam avec la WAP, il l'a sorti. Ouais, je l'ai déjà vu avant tout à l'heure, hein. Vraiment, il colle quand même des beaux petits trucs. La corde, et du coup, il va se décaler hein, justement en parlant de Shazam. Ah, tellement beau Shazam pour décaler au niveau de ce balcon pour apprendre un trick kill au niveau de ce M2 sur Snack. C'est tellement bien joué de sa part. Attention, Pacha qui met le bon hit, qui met Semfis à 16 HP. Avec son AWAP au niveau de cette banane, ils avaient boost. Attention, un Neo qui prend un bon kill, qui rééquilibre le compteur. 4v4 à suivre, 40 secondes pardon, de jeu. Attention, on se retrouve qui prend un bon kill, Taz qui prend un bon kill sur Semfis, Neo sur Sangar. On est déjà en situation de 3v2 et là les VP qui ont l'avantage numérique, enfin j'ai envie de dire. Ben finalement ça va être équilibré hein. Directement Shroud qui va prendre la bonne tête hein, sur Taz. Attention Shroud qui est tellement bien placé au niveau de ce pit. Il se par Bialy, attention Neo qui finit ça. Et le 13ème round, enfin le premier round de EVP sur ce set terreau. Je pense que le plus dur pour eux ça a été de trouver justement la faille. Ils l'avaient trouvé mais ils arrivaient pas à l'exploiter complètement. Là c'est fait. Ils ont réussi à poser, ils ont réussi à prendre le BP, à sécuriser plus ou moins tous les coins les plus importants, à prendre les derniers kills qu'il fallait finalement. Du coup, c'est plutôt bien sécur. Les VP qui, donc comme tu le disais, affligent sur leur 13ème round, c'est plutôt bien vu. Et là, à mon avis, ben, ça va pas être la même cette fois. Allez, on s'est déjà avancé hein, pour l'instant au niveau de cette banane pour essayer de prendre un entry kill. Malheureusement, on ne verra rien. Du coup, Shazam très très bien placé au niveau de cette longue avec la WAP. Il a bon pour l'instant qui dirige hein, au niveau de cette banane dans la Tars et Snax pour pouvoir créer le brain au niveau de ce BPA. On va être contre Smoke hein, directement du côté de ce BPB. Et du coup on est reparti en contrôle hein, côté VP. Il va falloir déclencher 30 secondes à venir. Semfis qui est déjà en train de back du côté de ce City Spawn et regarde les VP où est-ce qu'ils sont. On est 4 au niveau de cette balade. Ouais, c'est tellement bien joué. Semfis a back un peu trop tard, il va être bloqué au niveau de ce City Spawn. Attention Snax, il prend un bon kill du coup sur Shazam. On est déjà en situation de 5v4 et enfin pour une fois les VP qui prennent l'open kill, qui ont l'avantage numérique tout simplement. Et là c'est bien joué, ça qui est passé au niveau de. Semfis double kill, attention. La vis qui va tomber, 2v3, avantage toujours avantage numérique toujours VP. Et les deux collègues hein, qui arrivent au niveau de la ruine, ça c'est pas bon parce qu'on sait si les deux ils arrivent du même côté c'est pas cool. Du coup Shroud qui va récupérer un premier bon kill sur Taz, peut-être un deuxième. Non, le deuxième malheureusement ne passera pas. Bialy qui va sécuriser ça tout ça tranquillement. Le 14ème round hein, qui passe en faveur des VP, encore deux rounds hein, côté VP, on n'est pas très très loin. Ah, exact. On est à deux rounds de la victoire, ça commence à être tendu dans la game. Attention, ça va graisser cette banane encore une fois. On va essayer de piquer un kill. Attention,
attention, la bonne grenade ne passera pas. En tout cas, les VP qui ont fait des bonnes opérations là sur les deux derniers rounds, déjà à une balle de match de mettre le draw. Allez, on va nouveau les travailler hein, au niveau de ce BPA, de ce middle. On va essayer de faire bouger la défense le plus possible. Taz, pour l'instant, très très reculé, très méfiant. Hein. Il faut y aller à deux, hein, si vous voulez y aller, les gars. Ça sert à rien d'y aller tout seul. Coup la bonne smoke hein, placée par Shazam. Shazam qui... on est 3 en B quand même, attention. Hein. Attends, je sais pas. Attends, il a pris 17 HP. Ça va être compliqué, là bon, on se redirige au niveau de ce BPA, mais attention, hein, les Clownens sont pas bêtes, ils sont en train directement de faire la rotation, et là on, ils vont se retrouver à 4 en A avec un joueur derrière eux. Il l'a vu, hein, Bial, il l'a vu, il l'a donné l'information. Attention, Roupacha qui prend un bon kill sur Shazam qui rééquilibre le compteur, 4v4 maintenant à suivre. Attention, hein, Sangar qui fait un premier kill, ça me fisse également Nothing, également Neo 1v3 maintenant. Ça va pas à passer. Suivre, il ça va aller passer. Save la WAP simplement. Ouais, Neo qui n'a pas d'autre choix que de partir, Echo finalement. Un round qui normalement on est. Dommage, vraiment dommage, il n'est pas passé. En tout cas, le Brain qui a failli passer finalement entre ces deux équipes. Du coup, ça, ils vont en profiter, les Américains, ils vont pouvoir mettre le 11ème round. Et là, on se rapproche vraiment, donc comme je le disais tout à l'heure, des rounds les plus dangereux. On commence à entamer les 14, 15, voire 16ème round TVP. On est déjà dans les 11ème round également côté américain. Ça va devenir de plus en plus tendu entre les deux équipes. Attention, on est tous du côté de TVPA. Voilà, ça va être intéressant pour l'instant. On est parti rusher au niveau de ce middle. On s'en doute pas. Pacha qui est tout seul. Pacha qui va tomber. Attention, sous les balles de Semphis. Shazam, TK, Semphis. Sex qui prend un bon kill sur Shroud. Sanger qui prend un kill. Bialy sur Nothing. Sangar, double kill. Attention, 2v2 à suivre. Très très low HP, hein, Sgarès. En plus, la bonne grenade. Ça tue tout simplement. Belle opération de Neo. Et maintenant, Shazam qui est tout seul. V2. Attention à Shazam qui a TK son coéquipier et s'y perce route, mais il va s'en vouloir. Ah, c'est dommage, le round qui passe en faveur DVP, du coup les VP qui vont pouvoir en profiter. On est sur le round 2 de ce draw dans ce match entre Virtus Pro et Cloud9. Les Cloud9 qui nous ont fait remonter fantastique, malheureusement les VP qui en ont profité juste derrière pour pouvoir mettre leur 15ème round. On est sur les derniers rounds les plus importants donc de ce match, à savoir que côté Cloud9 on est sur un force buy vraiment vraiment dégueulasse, mais un truc de ouf. Shazam pour l'instant, Nothing avec du 5-7 ainsi que Shroud. On va se boost également au niveau de cette banane côté VP pour pouvoir prendre une info. On a Sgarès et Selfis à la M4 qui vont devoir faire le café pour pouvoir faire pour pouvoir récupérer des armes, hein, tout simplement. En tout cas, un 3-2 de nouveau côté Cloud9. Je pense que le rush c'était vraiment pas une très très bonne idée de leur part, hein, côté Cloud9. Il joue vraiment très très offensif. Ouh, la flash un petit peu ratée de Neo. Côté de cette balane. Du coup, attention des contacts, hein, et ça on sait pas. À mon avis, ça va se rediriger au niveau de ce BPA, hein, si je me trompe pas. On a déjà deux joueurs avec. On a déjà deux joueurs, pardon, DVP dans l'appartement. Vers l'appartement. Ouais, ça va se rediriger. Hein. Ouais, peut-être pas, hein, mais en tout cas là les VP qui ont fait une belle action, hein, du coup ça a fait back Nothing tout simplement, et du coup on est plus que deux sur ce on est plus que 3 sur ce BP, on est plus que 2 pardon sur ce BPB, alors qu'on était 3 tout simplement côté Cloud9. On rappelle hein, les VP qui ont le draw, et là il faut pas perdre un seul round côté Cloud9 sinon c'est fini. Attention, Sanger qui prend un bon kill, c'est directement revenge par Bialy. 4v4 à suivre, on voit les Cloud9 qui ont pas d'armes, ça va être très compliqué. Là Semphis on est en 4v4, ça peut faire, attention, ça peut clairement Semphis le faire. Qui tombe. Ça va être compliqué, hein. Là sans armes avec du 5-7, c'est possible mais c'est compliqué. Va falloir jouer avec le stuff, hein. Va falloir vraiment jouer avec le stuff, le problème c'est qu'on en a plus du tout. Côté Cloud9, et là ça craint. On est en 3v2. Tout de même sur Taz. Ou Nothing. Nothing. Neo qui prend un bon kill. 1v1 maintenant. Suivre Neo.
et il le prend. Ah, Léo ! Nothing, il devait le tenter, il avait pas le choix tout simplement, hein. Il aurait pas eu le temps. Et c'est fini. Bah, du coup, hein, finalisation de ce match, 16-11, victoire des VP, donc dans ce match des vainqueurs, hein, tout simplement, du groupe D. On va se retrouver donc d'ici quelques petites minutes pour le prochain match. TSM vs Cloud9. Donc ouais, voilà, très clairement, TSM vs Cloud9. On va marquer une petite page de pub, on se retrouve d'ici quelques petites minutes. À tout de suite, les poulets. We'll be right back.
Tournament, since we have played two other major tournaments, especially ESL1 in Katowice, where we lost against the Polish guys in the finals. And now we got even one more chance, and it's gonna be our first time to charm, if you ask me. I'm just hoping that we have what it takes to win the game. I think this might be the highlight of the day, don't you think? It is gonna be Cloud9 and NIP. Are they gonna come from here? Flash once, he's waiting. If they peek at the same time, there's the one kill. Forrest turns around, sees Zed in hand. Shroud is right there, Forrest takes him down. Now it's a triple. Can he get the quad? He's got 5 bullets, he misses the shot. Are you kidding? It's not, nothing runs. Forrest wins it. Are you kidding me? I don't think NIP can actually seal this round. It looked so good. Just a few seconds left here. 7, 6 left. Freiburg goes for the kill. He's going to pick it up. If Just Exist survives, he's going to win the round. There's no time. Oh my God, Freiburg, are you kidding me? 2 more shells in this mag. 7 grenades to follow. For is still alive. And oh, are you kidding me? Get right. It's now Sempfis alone, 1-on-4. NIP, absolute resurrection. We're always making it somehow in the end, and I'm just super happy. They've won multiple championships all around the world, but the one that eludes them at the moment is one of the majors. And it'll be Exist and Get Right at Freiburg, and they're only one frag away from the final. It's Kaylee versus NIP. Ninjas in pajamas charge into the grand final. Unbelievable. I've never played like so many close games in my like whole career, and I've been playing for like 15 years. This is revenge time for NIP, or it's Fnatic's turn to take it once again. Wolfmeister will find the shot on Exist. Freiburg does return, picks off Pronex. He's still here though, and he's going for more. 2 big frags. The third man is here, however, and Freiburg has to back off. But Freiburg somehow opens it up single-handedly. All 3 frags. All he has to do is stay alive, and it's going to be great. Oh, he picks up a quad kill. Freiburg comes in, he sprays. Freiburg misses, and it's the ace. He picks it up single-handedly. Ruins Fnatic. This could be a turning point. That has got to be shattering for Fnatic.
It's a 3-on-3. Fnatic last time, the retake didn't work this time. They're feeling more solid. Geraint coming up from behind, but he's also alone in a 1-on-2. Throws out another grenade here, gets up another kill. Is it happening again? Pronax is alone. That bomb is in the middle of nowhere. He's going to have to sit out. And he goes down! Geraint clutches it. It happens again! And here it comes, 2-on-5, JW and Flusher. There is nothing they can do any longer. NIP have won Gamescom 2014.